Le pupitre, ça s'est cassé, mais ouais, c'est réparé. Donc il y a le pupitre qui est là, vous pouvez l'enlever, et puis ensuite le clavier. Ça c'est le pupitre. Ouais, voilà. On ne pose rien sur l'orgue. Donc, on pose rien parce que ici vous avez le clavier qui dépasse. Enfin, un petit clavier. Okay. Ça va. Délicatement. Pour le protéger. Les vergettes sont en dessous. En dessous, d'accord. Elles sont horizontales. C'est ça, les vergettes. Ah oui, c'est des kilos. Faites gaffe parce que ça s'enfonce, c'est très fragile. C'est pour ça qu'on a fait un couvercle. Ah ouais. Parce que si tu t'appuies dessus, globalement, il craque. Elle casse. C'est vraiment fragile. Vous avez un trou à droite là, avec deux connexions. C'est ça que vous allez brancher ici. Alors je le sais, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention au conduit en cuir que tu manipules à gauche là, par exemple, c'est fragile. Ouais, j'étais en train de prendre avec. Donc je le mets dedans. Voilà, et puis tu bouges un petit peu, tu fais voilà, vas-y. Bouge, mais c'est bon. Parce qu'il faut que ce soit bien étanche. Alors on peut se permettre, moi je le fais. Ah là, oui. Là je vois une petite fente. Tu te permets de faire. Voilà. Ah oui, d'accord. Et là il faut vraiment pas qu'il y ait de fente. La planche marche pas. Et c'est la même petite cuisine là-bas. Excuse-moi. Voilà. Il faut faire attention dans la configuration à ce qu'il n'y ait pas trop de gens à passer au dessus. Voilà. Je préfère vous le montrer parce que moi-même j'avais eu quelques instants de frayeur. Et tant pis. Et du coup, si ça arrive, on ne s'effraie pas. On ne s'effraie pas. On remet, on recommence. Tranquillement. Voilà. Sur le repère du diapason. Avec l'étiquette blanche, le bord droit. Donc le bord droit ici, tu vas le mettre contre 440. Si tu veux 440. Pardon. Excuse-moi. Ah oui, on peut. Alors c'est très précis, c'est vraiment. Je l'ai pas vu, il y a des numéros d'ailleurs. C'est pas grave, après tu poses, tu vas voir, ça va s'enclencher ou pas, de toute façon. Du coup, le diapason, il est écrit où? Ah, c'est là. C'est l'étiquette blanche. Et donc c'est ça qui va être calé. Ah oui, c'est là. On calme sur le 13. On le passe de 440 à 440. 440, hop, je lève, tu lèves devant. Oui. Hein, si vous levez derrière et pas devant, vous allez casser les trucs. Hop, et après tu glisses. Je suis sur à peu près. Là, je suis bien. Ouais, vas-y, qu'on remonte. Ah. Bonjour. Et... Non, t'es un peu trop à droite. Là. Je vois pas, je suis. Il y a un peu trop à droite. Là, c'est bon. Là, tu es là. Ah. Ça peut permettre de mettre, en fait, quand on a que les basses ici, elles sont un peu floues. Ça, c'est le 8 pieds, donc c'est l'octave classique qu'on connaît. Et après, on a le 4 pieds, les tuyaux sont... Oula. Ils bloquent un peu. Ils bloquent un peu. Et là, c'est le 4 pieds, donc les tuyaux sont deux fois plus petits. Il y a une coupure au troisième de haut. Tu peux les prendre un par un, si tu veux. Ah oui, d'accord, mais par contre, regarde, si tu prends pas celui d'en dessous, tu n'auras rien en bas. Ah oui. C'est ce que je veux dire, c'est que par demi clavier, oui, oui. Ça les... Alors, je vois que c'est ça, c'est ce là. Oh, pardon. Voilà. Et ça, c'est ce qui se met derrière. D'accord. Voilà. Donc, normalement, c'est décollé. Et là, ça s'est décollé. Retirer la grille supérieure. Celle-ci, donc. Délicatement. Ouais. Si alors, délicatement. C'est très simple. Il faut la glisser. Il faut que tu la prends. Voilà. Ah oui. Donc, les deux petits morceaux. Il n'y a que deux. Hein, voilà. Ensuite, la rentrer un peu pour la ressortir. Voilà. On voit bien que c'est fragile. Tout à fait, ouais. Oui, oui. Et en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand vous allez la remettre, si vous avez accordé ici, et que vous bouchez dans les tuyaux, bah, vous désaccordez tout ce que vous allez faire. On soulève. 1 cm et elle sort toute seule en la tirant. Voilà. Oui, d'accord. Pour la remettre, là c'est beaucoup plus simple, mais voilà, je vous laisse faire. Voilà, donc là l'orgue il est prêt à être accordé. Tu me demandais c'est pour soulever peut-être Ça fait partie du matériel mis à disposition. D'accord. Ça c'est pour l'accorder, donc on va prendre un tuyau, puis on va. Voilà, donc un tuyau, l'arrivée d'air. Ouais, c'est une flûte quoi. Ouais, c'est une flûte, ça vient faire vibrer la lame qui est là. Plus le tuyau est haut, plus ça sonne grave, plus le tuyau est petit, plus ça sonne aigu. Il ne faut pas avoir peur à un moment, on est perdu dans l'accord, on enlève le chapeau et on repart de zéro.
et on va tester. Et quand il est comme ça à fleur, il est dans, c'est la note la plus. Et l'amplitude la plus grave, de l'accord, ouais. C'est sur un tuyau comme ça. Entre ça, si tu veux, ouais. Et le plus enfoncé, ça fait combien? À mon avis, pas plus d'un ton. Il y a un guide. Ouais, il y a un ton, quoi. Alors, ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'on peut en avoir besoin éventuellement juste Yves de seconde. On peut en avoir besoin pour atteindre les tuyaux qui sont derrière là. Si on a besoin d'enlever un tampon justement sur les tuyaux derrière, d'accord. On va avoir besoin d'enlever les tuyaux de façade pour pouvoir le remettre. Mmh. Ceux-là, ils ont des guides, alors que pas les autres, faut pas casser le guide, quoi. Non. Donc le guide il se met où? J'ai pas vu là-dedans. Bah, il y a un petit trou là, tu vois le trou là. C'est pas évident, ah oui, parce qu'on risque de chercher. Laurent, y aller. Donc, là. On vient de voir. Faut que tu t'approches. Voilà. Je dirais qu'à deux c'est un guide. Ah oui, à deux c'est bien, ouais. Un guide le bas et l'autre le haut. Tout à fait. Oui, oui. Normalement, on n'a pas enlevé. Normalement, t'as pas. C'est que hier en fait, on avait besoin d'enlever un des tampons de ceux-là là. Pour le régler juste pour accorder, il y a pas besoin, tu passes ta main sur le côté. Mais pour enlever le tampon, t'es obligé d'enlever les tuyaux en façade, sinon ça ne. Pas. Et quand de temps en temps, quand tu bidouilles, le cuivre se plie et puis il finit parfois par se retourner à l'intérieur et du coup ton tuyau il fonctionne plus. Quoi. Donc on a combien de tuyaux à accorder en tout 51 x 2, donc 102, si on fait les deux jeux. On n'a pas intérêt d'ailleurs à tout. Non, je crois pas. Bon, ça dépend du diapason, du tempérament. Peut-être qu'il avait été accordé en 415, tempérament. Un tempérament inégal très marqué. Ouais, les otoniques. Les otoniques, par exemple, et si vous voulez jouer la semaine d'après en 440, tempérament égal. Ça va être. Il faut vraiment se reprendre. Ouais. Là, c'est pas juste que tu joues. Do, dièse, ré. Ah, la même chose. Quoi, il y a des demi-tons? Oui, il y a des demi-tons. Et do, si bémol. Si bémol. Voilà. Donc, le do du milieu. Sur le 8 pieds, il est d'abord. On fait d'abord le 8 peut-être, il est plus difficile. Le do du milieu, il est là. Et donc le 8 pieds, c'est les gros, c'est ça? Ouais, le do du milieu, il est ici. Mais en fait, vous allez le sentir. Si vous mettez votre main au-dessus, vous allez sentir, il y a un peu de. On sent un peu d'air. Ouais. Et puis ensuite, on descend. Do, si. D'accord. Donc, si bémol. Si. D'accord. Donc les demi. Sol, fa dièse, on voit bien. Ouais. Fa dièse. C'est là qu'on va commencer à s'embêter. Mi bémol, ré. Do dièse. Le do, non, il est là. Le do, il est sur le côté, il est ici. Et là, vous pouvez le trouver. Il ne faut plus ranger pareil. Vous allez le trouver en mettant vos doigts dedans et le do, il est là. Ah, d'accord. Le tampon n'est pas très facile à. On ne peut pas l'actionner complètement. Il a un coude. Donc il faut vraiment tenir le tuyau et bidouiller. Donc là, on a vraiment besoin d'être deux. Ça, c'est pour le 6. Ça, c'est le juste dos. Pour le bas. Le dos, ouais. Ou le. Il y a c'est deux pas tuyaux comme ça. Il y a ce tuyau-là qui est. On est bon là ? Et ensuite, le 6. Juste à côté, normalement. Non, le 6, il est là. Ah, pétard. En fait, ceux-là, là, tous ceux-là, ils se rejoignent au centre. La bémol ici. Donc le sol dièse, ouais. Et ensuite, le sol est là. Ça s'invente pas. Hein. Ça, c'est celui de dessus. Ça, c'est le fabrica. Là, on est arrivé là. Ensuite, on continue. Si. Voilà, on continue encore. Vas-y. Il faut que je commence par un bord. Il n'y a pas d'espace pour le. C'est bon. Enlève ton fa au-dessus. Ça va vite. Hein. Ouais. Ah oui, c'est des flûtes à cheminée. Donc du coup, quand vous tirez, tout va bien. Mais là, vous avez vraiment une réelle influence et du coup, des fois, il suffit juste de faire un tout petit coup. Ça va suffire de faire juste un petit coup. Et pour celle-ci aussi, en fait. Les dernières, là, ça, c'est vraiment pénible à accorder. Ouais. Enfin, moi, je trouve. Bon, cela dit, un do dièse aigu en 4 pieds, tu t'en sers pas non plus tout le temps. C'est mis dans le matériel, l'accordeur, ou pas? Non. Ah, non. Par contre, bah non, c'est... Ah, oui. Je le baisse un peu. Il est
peut-être mal, il est pas bien. Ouais, bon, je l'avais mis. Ça, comme toi, je mettrais la grille de la côté. La sensibilité et... du tampon... Bah, non, mais le tuyau est pas bien. Pas ça y est, je viens de le remettre. Ah, il était défait. C'est ça. Hein. Donc, tac. Et en fait, là, tu viens poser ton... Ici, il y a un petit trou, là. En fait, tu viens caler directement dans le feutre. Le chaud. Non, je pense que c'est dans le sens que, vous voyez, il faut que ça se coince. Ici, là, oui, ça se coince. Ah oui, oui, oui. Moi, je mettrais la prise en haute. Ah non, ça fait. Tout à l'heure, le. Mettre le. Ouais, je sais pas. Alors, mettre les freins. Ouais, c'est quand même pas lourd. Hein. On va plus les voir, on sait pas. Ah non, là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je pense que ça va ramener le verre toi. Voilà. Là, et vraiment, oui, exactement comme ça. Je vais en valider tout. Elle est capable de passer les verres. Ouais. C'est vous qui l'avez fait. C'est bon. Ah oui, mais comme ça, quand on arrive avec la maison, tout de suite, on met le plâtre. On l'a dit. C'est protégé en mettant les touches à l'intérieur, c'est ouais. Pas risqué. Ouais. Et pupitre, du coup, aussi à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Donc, voilà. Avec son petit bout. Avec son petit bout là qui dépasse pour le moment. Normalement, tu devrais. À l'intérieur de l'intérieur. Tu prends appui sur la planche. D'accord, ouais.